asking who, yeah, who is leading you? So who is leading who, yeah, who is leading you? So et salut tout le monde, c'est Diablo et on se retrouve sur une vidéo découverte sur Dirt Rally, jeu développé par Codemaster. Et on est parti pour cette découverte. Donc première fois que je lance ce jeu. Donc il y aura peut-être quelques configurations à faire. Hop, création du truc. Voilà, Quentin Diablo, hop. On va rester en automatique. L'embrayage, bah, j'ai pas de. Je suis toujours au clavier donc. Enfin, rendre le jeu simu. J'ai quand même essayé d'activer quelques trucs. Contrôle automatique départ. Yes. On va descendre à 3. Après ça, je laisse désactiver l'affichage. On va laisser l'affichage quand même. Donc le jeu est toujours en accès anticipé. C'est un early access hein, en anglais. Donc il n'est toujours pas fini. Il est susceptible d'avoir des mises à jour, etc. Donc voilà, mise à jour 1.1. Donc j'ai fait l'acquisition du jeu il y a quelques jours hein, sur Instant Gaming. Moins cher que sur Steam, ça c'est sûr. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans le ventre. Une nouvelle mise à jour avec les Renault Alpine, Renault 5, Mini, il y a du rallycross, du rallye. On va essayer de faire du rallycross pour commencer. Ouais, véhicule, voilà. Bon, après ça, je pourrais revoir ça sur Steam. Donc on va partir didacticiel, hein, pourquoi pas. Allez. Appréhender les techniques utilisées en rallye vous aidera à comprendre la relation voiture-surface de la route et à garder un parfait contrôle sous une pression extrême. Dirt Rally propose un modèle de contrôle de véhicule extrêmement détaillé. Vous devrez donc vous servir des techniques de pilotage utilisées dans la réalité pour terminer nos étapes les plus techniques en un seul morceau. Maîtrisez ces techniques et vous optimiserez le potentiel de chaque voiture, ce qui vous permettra de décrocher de meilleurs temps et de viser des victoires en championnat. Ouais, mais en fait, ça c'est. Ils expliquent. Donc on s'en fiche un peu. Moi je jouais. Enfin, quelques réglages dans les options avant. Voir si les touches. Ouais, c'est même ce qui me semblait. Quoi ça, semi-colon quoi. Ça peut être intéressant ça. On peut carrément régler son siège, c'est pas mal ça. C'est pas mal, il y a des nouveautés par rapport à Dirt 3. Bon, j'avais fait une vidéo découverte il y a plus d'un an. Et ça s'était un peu mal passé.
Parce que je m'étais pas rendu compte qu'en fait il y avait une autre version sur Steam qui était plus aboutie et plus... Non, on va pas quitter le jeu. Et plus stable. Donc je referai peut-être une redécouverte du jeu la semaine prochaine ou dans 15 jours. Voilà, donc on est parti, on va faire la carrière. Ouais. J'ai votre chef d'équipe, c'est cool. Ouais. Ok. Ok, les épreuves en ligne, les épreuves chez JCJ, ça rappelle The Crew. J'espère que ça soit plus stable et plus simple. Taxé, championnat, gestion d'équipe, garage. Alors pour l'instant, la voiture pour qu'on change championnat. Donc il y a différentes années. Ouais, c'est un peu comme, comme pour Dirt Rally. Dirt 3. Il y a pas mal de catégories quand même. Après, en termes de véhicules, il y en a peu, je pense. On va en avoir une vingtaine. 6, 9, 10, 11, 14, 18, 22. Ouais. Une quarantaine. Bon, c'est pas mal. Bon, on s'en fiche un peu. On va partir. Alors, discipline. On va commencer le rallycross. Classique. 1600 et supercar. On va partir sur du 1600. Choisissez une couleur, puis choisissez une couleur. Ouais. T'as combien de crédits ? 50 000. Corsa, Clio ou 207. Bon, ils sont identiques. Hein. Celle qui a le moins de poids, c'est la Corsa quand même. Et a moins de puissance. Ouais, je vais prendre la 206, ça y est. Enfin, la 207. Yep. On peut choisir les couleurs F4 et F3. Ouais, il n'y a que 3 couleurs. On va prendre Cayenne. C'est parti. Ah, la musique s'emballe, attention. Qualification, les 12 meilleurs. Ok, en Angleterre. On est parti. Le Rallycross c'est 50% asphalte, 50% terre. Un tour joker qui doit être utilisé une fois dans la course. Ça dit pas combien il y a de tours. Ouais, ok. On sait pas combien il y a de tours. Et je suis en groupe D. Je suis le seul en groupe D. Ah non. 4. Ouais. Bon, on sait pas combien de tours. Bon. Parti. Utilise le tour joker à ton avantage. Tu dois le prendre une fois, sinon tu recevras une pénalité. Okay. Tu es en position idéale sur la grille pour prendre le joker dès le premier tour. Bon, on va faire la vue extérieure. Pas mal de vues, ça. Hein. Je prends plus tard le joker. Alors, au clavier, c'est un peu chaud. Parce que je m'habitue. Oh.
attendez quand même. Hein. Faut que je fasse quelques réglages. On dirait que ton radiateur est endommagé. C'est sûr, endommagé. Qualifié, ça c'est sûr. Ouais, pas terrible, hein. Il y a 4 manches, je crois, de qualifié, ok. Bon bah, on va continuer, hein, même si j'ai tout totalement fail. Ok, donc il y a 4 groupes de 16 personnes. 4 groupes de 4 joueurs, donc 16 au total. Soit dans les premiers. Par contre, je vais faire quelques réglages quand même. Hein. C'est plutôt dans... Il n'y a pas les paramètres. J'ai rien touché pour l'instant. J'ai essayé de m'habituer plutôt. Colin McRae Rally 2. À chaque étape, il fallait réparer sa voiture et ça prenait du temps. Donc il y a 60 secondes. Plutôt 60 minutes. Ouais. Je vais réparer un peu le radiateur, etc. Radiateur et les roues. À chaque fois son véhicule et en plus j'ai pas tout de réparer. Voilà, on va essayer d'être au moins deuxième. On était le premier. Je me suis planté dès le début. Ah, quatrième, pas mal ça. Donc en fait c'est en fonction du temps qu'on réalise. Donc au final on est toujours 12e. Enfin ouais, on est 12e. Donc on... si on arrive à maintenir, c'est pas mal. On peut être qualifié pour les demi-finales.
Donc c'est pas mal, c'est... On s'habitue un peu à la conduite. Ah oui, il faut la réparer. De toute façon, le radiateur, hein, c'est... deuxième là au moins, ça serait bien que j'aille assez vite. C'est pas mal ça de pouvoir réparer mais avec un temps limite. Si c'est pareil en ligne, c'est bien, ça évite que les joueurs se foncent dedans. Enfin, ça pénalise ceux qui font le boulot. J'étais un peu plus vite que la course précédente. Ouais, cinquième. Bon, ouais, au moins, je suis dans les 12 premiers. De justesse. On va continuer. Les 3 meilleurs du chat demi-finale, Sky Fibre finale. Ouais, 3 meilleurs, ça va être un peu plus tendu. Je suppose que je peux toujours réparer, ouais. Bon, là, il reste plus grand chose.
cassé, surtout réparer la suspension. Ah, on est 6. Bon, je vais prendre notre joker dès le premier tour, comme ça, on serait débarrassé. Deuxième, c'est pas mal, c'est un bon score ça. Donc voilà, dans les trois premiers. Donc là, on est à la finale. Bon, si j'aurais pas
pas fail, je pense que j'aurais pu finir deuxième. Je sais pas pourquoi, la Vodosha a tiré tout droit. Bon. Ben, c'est ainsi que s'achève ce premier épisode, peut-être. Sur Dirt Rally, hein, cette vidéo découverte, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. À suivre ma page Facebook également, c'est là où je poste le plus de news par rapport à Twitter. Même si je vais essayer de aussi donner des nouvelles sur Twitter vis-à-vis de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Diablo, salut!